Konnichiwa, Mina-san. Ici Shin Double Gum et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la mission la mission retrouver 30 bouteilles de Nuka-Cola Quantum. J'avais dit 40 dans l'épisode précédent, mais c'est 30. Ça s'appelle le défi Nuka-Cola et on allait justement entrer dans les portes de l'usine. Alors, optionnel, retrouver les bordereaux d'expédition Nuka-Cola Quantum. Que le but c'est de rapporter 30 bouteilles de Nuka-Cola. Et optionnellement 30 bouteilles de Nuka-Cola Quantum. Nous on va pour les bouteilles de Nuka-Cola Quantum parce que toutes les bouteilles de Nuka-Cola normales je les ai bu pour me heal. Ensuite optionnellement on peut retrouver les bordereaux d'expédition de Nuka-Cola Quantum. Ok. Donc je rappelle, pas de Sfaf pendant cet épisode. Et donc il y a un point rouge là-bas, mais il y a un point vert aussi. C'est qui le point vert? Il y a quelqu'un en bas? Est-ce qu'il faut descendre? Est-ce qu'il faut rester en haut? Telle est la question. Ah! 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 Fusée laser. Alors on avait remarqué aussi que je suis très très concentrée quand je joue. On avait remarqué aussi que l'arme à énergie ne marche pas très bien contre les fangeux. Marteau. Est-ce que je peux me battre avec un marteau? Masse. Non. Non. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Capsule des cartouches, c'est bien ça! Il n'y a rien de plus ici, même pas des petites. Une boîte de munitions remplie? Non? Alors, je sais pas. Je sais vraiment pas par où je dois aller. Alors, on peut aller en bas. Mais je sais pas ce qu'il y a à faire en bas. Alors, on va essayer d'aller en bas. Hop. Et si c'est une impasse, ben on ira. Oula. On ira par en haut. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit une impasse. Bonjour, oh, collègue. J'allais lui tirer dessus. Je ne crois pas vous connaître. Je suis Milo, votre contremaître. Bonjour Milo. Enchanté de faire votre connaissance. Mon cousin s'appelle Milo. Veuillez m'indiquer votre intitulé de poste et votre numéro d'identification d'employé pour mes archives permanentes. Alors, soit on lui donne un discours, pas besoin de numéro, cet endroit m'appartient. On peut essayer d'être le maître de l'entreprise, John Caleb, qui est celui qui a inventé le Nuka-Cola, j'imagine. Ou alors on peut lui donner un faux numéro. Je me suis trompée d'endroit. Mon poste est casse-couille, mon numéro c'est 556. Ah je n'ai pas ces informations. Je regrette. Oh. Vos schémas d'intonation indiquent l'émission d'une contre-vérité. C'est une violation du protocole NC01. Ceci entraîne l'attribution d'un blâme. Veuillez noter que d'autres blâmes peuvent entraîner votre expulsion de ce poste. Comme indiqué précédemment, veuillez vous identifier. Bon, bah, on va mentir, hein. Je n'ai aucune référence d'un tel poste. Et ce numéro d'identification d'employé ne correspond pas au format standard. Ceci entraîne l'attribution d'un blâme. Veuillez noter que d'autres blâmes peuvent entraîner votre expulsion de ce poste. Comme indiqué précédemment, veuillez vous identifier. Comment on va faire? L'usage de gros mots et la tentative de falsification de numéros d'identification d'employés enfreignent respectivement les protocoles NC68 et NC90.
Je regrette, vous avez accumulé plus de 2 blâmes. Je mets en application le protocole d'expulsion KN001. L'accès à cette zone est réservé au personnel de Coca-Cola. Loi de la force. Non. Ouah, lance-flamme carrément. Désolé Milo, c'était pas le but. Oh, une clé! Est-ce que c'est la clé que du coffre de tout au début là? Ok, faut pas oublier que j'ai une clé. Pips. Error 26, ok. Code de connexion à l'ordinateur. Désolé Milo. C'était pas le but. Message. Le mot de passe de l'ordinateur d'expédition de l'usine d'emboutage du Coca-Cola est NCC1864. Ok. Capsule. Non, c'était pas le but. Cartouche. Ah ah. Ok. Connexion admin, entrée mot de passe, blablabla. Recours industrie, expédition de quantum pour test de marketing. Les lieux suivants ont été retenus pour le programme de test de produits vedettes Nuka-Cola Quantum. Merci de veiller à ce que un caisse de quantum figure dans leur livraison habituelle, accompagné du matériel publicitaire fourni par le département marketing. 1. Centre commercial de Paradise Fall, 2. Supermarket et 3. Épicerie Doldolny. Ok. Ok. C'est tout? C'est tout, ok, donc faudra bien monter, je fais le tour au cas où. Il y a une boîte, cette capsule. Ok, il n'y a rien de plus ici. Ok, donc on a passé l'étape des fangeux, j'imagine que derrière il y a que... Enfin, que ici il n'y aurait que des... Des robots. Est-ce que je l'ai fouillé celui-là? Oui, celui-là je l'ai fouillé. Ah! Tu viens? Shipping. Donc c'est par là qu'on doit aller, donc on va aller en bas. on va jamais là où on doit aller. Ferraille. Il n'y a que de la ferraille. Donc le shipping c'est par là. Nous on va aller par là. C'est là qu'il y a l'autre robot j'imagine. Ah il est là. Meurs. Ok, il y a une pièce vide ici. Rien là. Hop. Rien là. Rien là. Il y a un PC ici. Le bureau est vide. On va d'abord regarder dans le tiroir. Ah! Capsule. Bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça va sauvegarder. Alors, ah, encore un... un piratage. Ah, c'était story. Connexion à demain. Entrée mot de passe maintenant. Story. Instruction de chaîne de conditionnement.
Bienvenue au poste de travail de la chaîne de conditionnement Nuka-Cola. Vous êtes désormais le rouage essentiel de l'acheminement des produits Nuka-Cola de la montre de notre usine vers les consommateurs. Alors lisez attentivement ces instructions ci-dessous. Si vous avez besoin d'aide, composez le X347 et demandez votre responsable sur la chaîne. Accédez au terminal de conditionnement et sélectionnez le stock de charge dans les unités de tri. De sélectionnez activer la chaîne de construction de conditionnement sur j'ai du mal à lire. Surveillez le fonctionnement de la chaîne de conditionnement en prêtant l'oreille aux bruits tels que crissement mécanique, explosion et éventuel appel à l'aide émanant des êtres humains. 4. En cas d'urgence, ne paniquez pas. C'est le pire que vous pouvez faire. Composez simplement le X347 et demandez votre responsable sur la chaîne. La chaîne de conditionnement s'arrêtera automatiquement en cas de problème. Rappelez-vous que seule votre attention et votre vigilance pourront éviter les pertes de produits. Avis chaîne de conditionnement. En raison d'oublier des départements conceptionnels, blablabla. Merci de ne pas charger les bouteilles de Coca-Cola Quantum dans les unités de tri jusqu'à nouvel ordre. Charger une Coca-Cola à l'unité de tri. On va juste tout passer. Oh, il y en a du texte. En fait, il n'y a pas de texte dans celui-là. Erreur de système. Attention, tapis roulant coincé. Merde! Ah! Mais je suis bête, il fallait faire ce qu'il aime. Activer la chaîne de conditionnement. Appeler un technicien. Oups! C'est pas ce que je voulais faire! Non, vous savez quoi? Je vais charger. Système d'exploitation. Terminal de conditionnement 3C. Alors, charger une Coca-Cola dans l'unité de tri. Attends, terminal de conditionnement. Donc, je suis bien sur le bon PC. Sélectionnez le stock à charger. Nuka-Cola ou Nuka-Cola Quantum. Donc, on va charger une Nuka-Cola Quantum. Activer la chaîne de conditionnement. Attention, tapis roulant coincé. Ok, donc ça allait d'office se coincer, c'est pas comme si j'avais fait une erreur. Ok, bon bah il n'y a plus rien à faire ici. On va retourner en haut. On va retourner en haut. Ok, alors on peut descendre ici tant qu'on y est. Les bouteilles sont vides, c'est ça? Oh, déception! Hey, je suis doué. Donc, il y a des portes là. Oh, j'aurai jamais assez de Nuka-Cola quand... Merde. En plus, je suis blessée. C'est pas drôle. Je vais monter d'abord. Non, il n'y a rien activé ici. Non. Sauvegarde! Mais je peux pas passer! Comment je vais faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Il y a un autre passage?
Non. Ah zut! En fait, je m'attendais vraiment à avoir de voir un stock phénoménal de Coca-Cola, mais bon, faut pas rêver, faut pas rêver. J'ai combien en crochetage en fait? Stats, compétences, attitude, crochetage 45. Ouais, non, j'ai vraiment pas assez pour revenir. Faut que j'aille là. Faut que j'aille à ces endroits pour trouver du Coca-Cola Quantum. Ces trois premiers emplacements de la région d'ici seront appelés sites de test A, B et C lors de toutes les communications internes à la société. Renseignez vos cartes à l'aide des données incluses dans le présent message. On a un nouveau message. Message. Info de distribution. À vérifier les expéditions de Quantum en vue de tests sont bien acheminées au lieu suivant. Ces trois premiers emplacements, là, donc ça c'est ce qu'on vient de lire. Ok, bon, on va aller là vu que c'est le seul endroit où on peut encore aller. Je vais pas me battre contre les fangeux. Je déteste ça. Mais peut-être. Bye bye. Je veux dire, peut-être qu'il y a un truc intéressant par là, mais. Bon, on va quand même essayer. Salaud! Je regarde comme ça, comme si je pouvais regarder derrière le poteau. Mais il est bloqué? Alors, on m'a dit que j'exploitais pas les bugs, mais que j'étais plus intelligente que l'IA. Donc, j'accepte cette manière de penser. Bon bah, tu lui touches ou tu le touches pas? Il n'y a rien dans le bureau. Il n'y a rien là-dedans. Ah! Ah, je suis tombée. Va falloir que je retourne en haut. Merde! C'était pas le but. Capsule, tu es triche moi après. Capsule. Cartouche, fusil, masque. Trouver la formule. Allié, merci. La formule du Clear Coca-Cola est au troisième niveau de leur site d'Odyssey. C'est là qu'ils ont fait tous les R&D. Récupère la formule et retrouve-nous comme prévu à l'usine des Trikes. Red Racer. Notre acheteur nous promet beaucoup de capsules, alors il faut se remuer. Ce coup pourrait faire la fortune de notre gang. En avant, givré de la mort subite, gardien le doux. Et il est où cet endroit? Est-ce que j'ai la formule? La formule du client Coca-Cola est au troisième niveau de leur site de DC. C'est là qu'ils ont fait tout le R&D, récupère la formule. C'est ce que j'ai, non? C'est le... C'est tout ce qu'on a lu dans le PC... précédent épisode. Quoique au troisième niveau. Grand livre des sciences. Ok, merci monsieur. Alors,
au troisième niveau. Formule nucléaire de Coca-Cola est au troisième niveau de leur site de DC. À l'étage? Et on a à quel étage là? On est au deuxième étage, ouais. Et je suis déjà allée au troisième étage. Je vais vite faire un tour, on sait jamais. Je me demande en fait si il n'y a pas plein de trucs intéressants là derrière. Le truc c'est que je sais pas où on est. Comparé à dehors en fait. Un carte du monde, carte locale. Terre désolée. Et là, on est allé là. Cuve de stockage et mélange. Bureau. Cuve de stockage et mélange. Comment? Non. Oh là là. C'est vraiment là-dedans, en fait. On est obligé d'aller à la cuve de stockage et mélange. Je me demande si on s'est passé par l'autre côté, en fait. Je vais remonter, sortir et je vais voir si je peux pas passer par l'autre côté. Enfin, passer par dehors. Ou alors, je reviendrai quand j'aurai 100 de crochetage. C'est une idée. Faudrait que je mette tous mes points en crochetage dans les prochains niveaux. J'avais déjà une fois fait ça. En fait, c'est marrant parce que il y a une quête où il faut... Il y a une quête où on libère un super mutant intelligent. Il va pas essayer de vous tuer, mais il va essayer de vous aider à sortir de là. Et le truc, c'est que dans cet endroit, il y a une passerelle. Et pour passer de l'autre côté de cette passerelle, il y a une porte. Et pour ouvrir cette porte, il faut 100 de crochetage. Le truc, c'est que quand tu ouvres la passerelle, ce que j'avais fait, j'avais été farmer le niveau et j'avais mis tous mes points en crochetage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin par derrière, donc je vais d'abord voir s'il n'y a pas de chemin pour passer par derrière avant de effectivement mettre tous mes points en crochetage dans les prochains niveaux. Parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'il y a là. Et une fois que j'ai 100 en crochetage, je suis pas obligée de nouveau venir. Mais comment je sors ? Vous croyez qu'on est... Oh, c'est possible, j'avais raté mon saut dans l'autre épisode, donc du coup j'étais persuadée qu'on pouvait pas sauter au-dessus. Ok. Je suis persuadée que c'est dans ces cuves qu'il y a les... L'ingrédient secret du Coca-Cola. Exécution. Lancement du protocole AL00. Il y avait un survivant. Ah, mais j'y pense, je suis pas allée de l'autre côté. Elle est à la porte de sang de verrouillage. Regardez. Ah non. Si. Non. Non. Bon bah il y a plusieurs portes qu'on peut déverrouiller. Je n'en ai aucune idée. Vous croyez qu'elle serait contente si on lui aurait ramené les bouteilles vides? Donc, on est d'accord, on était bien ici quand on était sorti. Enfin, la porte de sang. Cuve de stockage et de mélange. On va aller là-bas pour voir. Alors, je sais pas du tout.
n'ai rien fait. Épargnez-moi. Ok, bah je sais pas. Bibliothèque, métro inondé. Building, Temple Universe, de Robco. Fort d'indépendance, Megaton, Apri, Spring Valley. Ouais, on va essayer de trouver les. Gear de shit. Sans service, relais, Shinami. Chapelle. Paradise Falls. On va retourner à Megaton. Et eh ben, on verra bien. Nous vous remercions tous pour tout ce que vous avez fait. Merci. Esteem Pax me ferait plaisir. C'est tout. Certainement, merci. Qu'est-ce que tu m'as donné ? Au sale. Ok, merci. On va, bah, je vais aller me reposer un coup et on va cesser là pour cet épisode, j'imagine. Si j'avais su, j'aurais tout fait dans un épisode ou alors j'aurais coupé l'épisode 1 un peu plus tôt. Ah, j'étais une cacola. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon lit. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui, monsieur. Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quelque chose à boire. Oh. Raconte-moi une blague. Oh. Chez les personnes âgées, le meilleur contraceptif est la nudité. Quoi? Ça, j'ai pas compris. Je te jure, j'ai pas compris. Et donc... J'ai personne mémorial. Ok. Bon ben... On va aller à Paradise Falls. C'est pas ce que je voulais. Ah, on m'attaque. Qu'est-ce que je suis? Où je suis? Où est-ce que je suis? Mais laissez-moi tranquille, bordel. J'ai rien fait. Je cherche juste à bien gagner ma vie. Oui, le troisième. Wouh! Tout mon point en crochetage. Mais. Allez, sors de ton trou. Fini par te trouver. Crochetage. Bon bah le dernier point, on va le mettre en troc, discours, discrétion, arme au corps à corps, réparation. On va mettre en arme légère. Quoi, il me restait plus? Ah bah on va mettre, non pas en science, on mettra un discrétion et un discours et un en troc. Ensuite, entraînement intensif. On va regarder un nouveau truc, hein. Nick Talope. Je savais que t'étais une salope.
Au coucher du soleil, un ectalope gagne en bonus plus 2 en intelligence et une perception pour un maximum de 10. Cette attitude influe directement votre horloge interne et demeure active à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors quand je joue la nuit, j'aime pas jouer la nuit, donc... Mystérieux étranger. Vous avez trouvé votre ange gardien personnel armé d'un Magnum 44. Avec cette attitude, le mystérieux étranger apparaît de temps en temps à autre en mode sfaf pour vous prêter main forte avec une efficacité meurtrière. Non. Non, moi, je veux pas d'aide. Merci, mais non. Non, merci. Ici et maintenant. L'attitude ici et maintenant apporte un niveau d'expérience supplémentaire et tous les avantages associés. Finesse, avec l'attitude finesse, vous notre coup critique ou t'adresser lors d'un combat, c'est là que vous avez 5 points de chance en plus. Résistance aux radiations, ouais, bon, non. Rein d'acier. L'attitude rein d'acier permet de porter 23 kilos de matériel supplémentaire. Non, c'est bien ça, ici et maintenant. De niveau? Quoi? Ok, ça va aller plus vite que ce que je pensais. Bon, bah on va remettre un point en troc, un point au corps à corps, un point en discrétion, un point discours. Un nyctalope, salope. Mystérieux étranger, la taille qui compte. Méditation, l'attitude 1 augmente de 30 points le discours tant que vous conservez un karma neutre. Finesse. Âme d'enfant, l'attitude âme d'enfant, mais là. Non, on va prendre finesse, c'est très bien ça. Ah, mais si, je vois où je suis. Je crois. Donc. Paradise Falls, on va aller là-bas. C'est de l'autre côté. My bad. Et une fois qu'on sera à Paradise Falls, on va s'arrêter comme. Salut. Ok, y a tout qui bug. Oh, je sens que ça commence à freeze par-ci par-là. Je sais pas si ça se verra sur le retour par après. Mais je vais m'arrêter là parce que mon PC supporte plus, ça fait bzzz. Mais où est l'entrée? Allô, bonjour, il y a quelqu'un? Je suis de passage. Ça se trouve, l'entrée, elle était par l'autre côté. Et moi, comme d'habitude, je fais le tour du mauvais côté. Bonjour, chers amis. Je suis là pour faire du troc. Je vais déjà retirer le marqueur. Attends un peu. On entre dans Paradise Falls que si on y vient pour affaires. Et c'est moi qui décide des affaires. Alors, je peux monter. Laisse tomber, c'est un endroit, j'ai pas envie. Rigole, t'as jamais entendu parler de Paradise Falls? Tu viens de sortir d'un abri ou quoi? Paradise Falls, c'est la planque des négriers. Là-bas, on vend les esclaves qu'on a capturés. Alors si vous n'avez pas l'intention d'acheter ou de vendre, cassez-vous. Les esclaves, les gens, c'est atterrant. Y a pas de sous-métier. Ouais, et si t'as pas ce qu'il faut pour survivre, tu pourras au moins être utile aux autres. Laissez-moi passer. Pourquoi je ne peux pas aller là-haut? Je ne cause aucun problème, je veux juste jeter un œil. Tu veux jeter un œil? Tu te crois où, là? Arrête de me faire perdre mon temps, Trouduc. Tout le monde a un prix, alors? Eulogy Jones me paie assez cher pour ne pas me laisser emmerder par des gens comme toi. En plus, j'ai le droit à plein de petits à côté. Mais c'est quoi votre problème? Laissez-moi entrer. Je vous aide et j'entre, ça marche? Ce dont j'ai besoin, c'est que tu te casses. Eulogy Jones n'a pas de temps à perdre avec des chieurs et des connards comme toi. C'est mon boulot. Mais même moi, j'ai des limites. Et t'écouter me donne la migraine. Donne-moi une bonne raison de pas te buter. Je viens acheter un esclave. Si on cherche la bagarre, suffit de le dire, salaud.
Si je vous ramenais des esclaves, vous me laissez entrer? Allez, laissez-moi entrer. Qui est Eulogie Jones? T'es conne? Tu viens chez un mec et tu sais même pas qui c'est. C'est le boss. Il dirige Paradise Falls, un dur de chez dur, pas le genre qu'on emmerde. Mais Eulogie ne perd pas son temps avec les connards, alors dégage avant de mordre la poussière. Allez, laisse-moi entrer. Tu t'accroches, hein? J'ai peut-être un boulot pour toi. Et si tu te plantes pas, je t'aiderai peut-être à entrer dans Paradise. Tu crois que tu pourrais nous ramener des esclaves? Vous voulez un putain de CV? Dites-moi ce que vous voulez en plus. Ça ne peut pas être très difficile. Je vais vous dire, vous êtes négrier, non? Je veux dire. Enfin, c'est écrit vous, mais. J'ai servi, genre, les criminels, hein. Je n'ai pas à servir des innocents. Je ne ferai pas votre sale boulot. Pour être intégré, après tout. Yuloji a un contrat spécial sur quelques VIP. J'irais bien, mais je suis trop occupé. Ah, c'était des connards que moi. Toi. Et pas d'embrouille. Fais ça pour moi, et je te ferai entrer à Paradise. Je vais vous trouver des esclaves, mais où est le piège? Content que tu l'aies demandé. J'ai ce médusatron, une espèce d'arme étourdissante. Je veux que tu le testes pour moi. Un petit projet de recherche. Tu prends ce méduso, tu shootes un glandu, et pendant qu'il compte les petites étoiles, tu lui colles un de ses colliers autour du cou. Attention avec ce collier. Si on le bricole, il explose. Dis à l'esclave de se manier de venir ici, s'il tient à sa tête. T'as tout compris? J'ai horreur de me répéter. Il y avait un manuel avec ce médusatron. J'ai pas le temps pour ces conneries, alors j'espère que tu sais lire. Ok. Parlez-moi des quatre cibles que je dois servir en priorité. Tu veux des infos sur laquelle? Suzanne Red Flack. Suzanne Lancaster vit à Tenpenny Tower. C'était l'une d'entre nous. Disons qu'elle a jamais payé son billet de sortie. Red? Red est le toubib sexy de Big Town. Elle nous a fait des promesses qu'elle a jamais tenues. Il est temps qu'elle paie. Et Red, je connais Red, non pas Red! Elle m'a soigné plein de fois, gratuitement! Flack était l'un d'entre nous. Il a pensé prendre un nouveau départ à Rivet City. Il nous a vendu plusieurs fois. Il faut qu'il paye. Super. J'avais pas envie de passer la journée à parler de ces connards. J'hésite. On ne voulait que ces VIP, il faut aussi d'être esclave. J'aimerais en savoir plus sur le collier d'esclave. Je vais y aller. Tant mieux, j'en avais marre de cette conversation. Ah, j'ai envie de lui buter la tête là. Bim! Mais je vais sauvegarder ici. Et on va se retrouver dans le prochain épisode mercredi. Voilà. On continuera le défi Nikakula la prochaine fois. Je sais pas si je vais faire cette quête parce que, honnêtement, j'ai envie de lui buter sa sale tronche à ce connard. Je vais rentrer. Je suis rentrée! On a envie de tirer dessus, quoi. Ok, il va vraiment me buter si je rentre. Tu n'as pas le droit d'entrer, d'accord? Non! Un pas de plus et on te crève! Bim! Ah, j'ai rien fait! Ok, il va vraiment me buter. Ok, bon bah... D'ici le prochain épisode, j'aurai décidé si je vais tous les buter ou si je vais aller chercher ces esclaves. Mais pas Madame Red, voyons. Elle m'a soigné plein de fois, c'est un excellent médecin. Flack aussi, il est gentil. Je l'ai rencontré. Les autres, je sais pas trop, mais... Big Town... Rivet City... Enfin, voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour plus de Fallout dans un futur proche. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!